Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Promas TV, la chaîne du Japap et du Berewe, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, nous les soi-disant vlogueurs, pour vous donner les infos là sur mieux et dur, oui. Zach Mwekasa. Quand Zach a commencé à poster sur Francis Ngannou, c'était longtemps. Il a raison, il dit qu'en 2017, c'est lui qui avait commencé à faire connaître Ngannou au Cameroun, présenter Ngannou au Camerounais. Oui, il a dit cela. Oui, donc venez le clasher et tout, pourtant, il n'a jamais été jaloux de Ngannou. Il connaît les débuts de Ngannou. Ouais, c'est cette vidéo-ci qui va vous montrer. Hein, pour ceux qui... Quand on vous dit que nous, on choisit toujours notre camp dès le début. Certains Camerounais sont sortis, ils nous appelaient qu'on est les traîtres. Que wow, quelqu'un vient nous insulter. Non, vous n'êtes pas insultable. Attendez, dites-moi. Dites-moi vraiment. Hmm? Regardez cette vidéo de Zach Mwekasa. Là où il a commencé à faire les éloges de Ngannou. Vous allez me dire si c'est de la jalousie ou pas. Regardez. Beaucoup d'Africains ont du mal à progresser parce que les Africains ne le soutiennent pas. Il y a un Camerounais au nom de Francis Ngannou. Il combat aux États-Unis chez UFC. Ça, c'était Zach Mwekasa. Il a fait cette vidéo précisément le 6 octobre 2018. Il y a beaucoup de personnes qui sont acharnées contre lui aujourd'hui qui ne connaissaient pas Francis Ngannou. Écoutez ce qu'il va dire et puis on revient. Avec son allure, sa carrure, sa tendance, il devrait déjà devenir multimillionnaire maintenant. Mais il ne l'est pas encore parce qu'il n'a pas le soutien inconditionnel des Camerounais. Le seul soutien qu'on lui donne, c'est des likes sur Instagram et quelques commentaires. Quand il combat aux États-Unis, les Camerounais, pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous n'achetez pas vos billets pour aller soutenir votre frère? Vous voulez qu'il vous achète aussi les billets pour aller le soutenir? C'est mon compatriote, mon compatriote. Et alors? On s'en fout de toi. Le patriotisme, c'est dans l'acte, dans l'action, dans la participation. Mais vous attendrez qu'il vienne construire une maison au Cameroun. Et s'il n'en construit pas, ah, lui aussi, il a combattu là-bas, qu'est-ce qu'il a fait ici? Ou qu'il fasse des dons gratuits aux orphelinats, ses compatriotes. C'est triste l'Afrique. On a l'impression que le soutien de l'Africain est toujours collé à quelque chose. Hein, on s'attend à quelque chose en retour. Vous avez vu, non? Oui. Au contraire, il déplorait le fait que les Camerounais ne soutiennent pas Ngannou. Et c'est comme ça qu'on est. Quand tu es dans la gloire du Brida, on dit, wow, on sort les Camerounais. Wow. Quand tu es dans tes débuts, personne ne vient te soutenir. Personne ne vient te soutenir que tu es là, tu es en train de te battre, là, tu es encore là, mon frère, tu perds encore les combats. Qui est derrière? Attendez, attendez. Je vous pose une simple question. Vous savez qu'on a un autre boxeur, hein? C'est Takam. Oui? Qui est derrière Takam? Dites-moi. Parce que comme Takam, il perd les combats, personne n'est derrière lui. Hein? Maintenant qu'elle va commencer, il fait un gros combat, une grosse victoire, il fait peut-être gagner peut-être un Joshua, ou bien gagner peut-être un Tyson Fury. Vous allez dire non, non, je suis Camerounais. Ou bien vous dire non, c'est un Camerounais, c'est mon frère Camerounais. C'est ça. C'est de ça que Zach Mwekasa parle. Oui, on est comme ça. Je vous prends l'exemple. Les gens comme le West Madiko, quand ils faisaient ces trucs-là, où ils sortaient ces trucs-là, avant de faire l'album à l'année, qu'il a rendu populaire dans tout le monde entier là. Il a sorti les albums. Est-ce que les Camerounais sont contents? Quand on a entendu, wow, il y a un Camerounais qui a fait moucher, gagner les Grammy Awards de mon frère, on dit, wow, c'est un Camerounais. Oui, c'est comme ça. On attend que tu aies la gloire pour venir. Même chose, autre cas, Libyanka. Libyanka a commencé à chanter même au Cameroun. Dès le Cameroun, elle chantait déjà étant au Cameroun. Oui. Qui gérait Libyanka? Qui est venu dire qu'on a une chanson, on partage? Rien. Rien. Quand elle est déjà où elle est partie aux États-Unis, elle a sorti encore des trucs. Rien. Quand elle a fait son petit truc, elle est passée dans The Voice, elle a eu une popularité. Après, elle est sortie, elle a sorti People. Ça fait mal. Les gens, wow, wow, wow. Oui, c'est notre. Et ce ne sont même pas les Camerounais qui ont partagé People pour que ce soit populaire. Tout le monde entier a partagé People. Les gens ont fait les remises partout, les trucs, les ceci, les challenges, ça partout. Le Cameroun, non. Le Cameroun, non. On sait seulement venir réclamer les prix. Non, c'est nous, elle est camerounaise. Elle est ceci. C'est monté. C'est comme ça que nous, on est. C'est comme ça qu'on est. Oui. Donc, il avait raison. Il dit que mon frère,
Zach m'a dit que mon frère, c'est lui qui... C'est, vous ne pouvez pas payer les billets, aller soutenir votre frère. C'est lui qui va encore vous payer les billets pour venir le soutenir, pour l'encourager, pour qu'il gagne les combats. C'est lui. Après, vous allez dire, quand il va gagner son rêve, vous allez dire qu'il faut qu'il construise l'hôpital. Il faut qu'il construise tel hôpital. Il faut qu'il investisse, machin. Vous pensez pourquoi Ngannou, c'est pas, depuis que l'histoire s'est passée, il ne sait pas prononcer. Il ne sait même pas prononcer. Il connaît comment vous êtes les Camerounais. Il est dans son coin, silencieux, motus. Il laisse Zach Mouata nous insulter. Vous insultez Zach Mouekassa, il ne gère pas. Il connaît comment nous les Camerounais nous sommes. Il connaît, est-ce qu'il ne connaît pas? Il n'est pas Camerounais. Il est né grand, c'est un Bozaïeur. Oui, quand il est Bozaïeur, tu étais avec lui. Ngannou, c'est un Bozaïeur, oui. Pas comme président, on m'a dit qu'il est le président des Bozaïeurs. Voilà quelqu'un qui devait être le président des Bozaïeurs. Donc Francis Ngannou, c'est le président des Bozaïeurs, oui. Vous comprenez, non? C'est ça. On dit, oh, il est jaloux. Pourtant, dès le début, il a encouragé les gens à aller supporter Ngannou, aller soutenir Ngannou, aller acheter les tickets, payer même le voyage, aller même. Faites l'effort. Oui, il y a les gens qui sont au pays qui ont l'argent. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de gens qui sont, ils voyagent aux États-Unis à tort et à travers. Oui, il y en a. Il n'y a pas de moyens, quoi. Maintenant, quand il y a, oh, c'est tout le monde qui se colle à lui. C'est comme ça, l'Africain. C'est comme ça, l'Africain en général. C'est pas seulement au Cameroun, hein. C'est comme ça, l'Africain. D'autres pays sont même mieux que le Cameroun, oui. Oui, ils soutiennent un peu mieux que le Cameroun, notamment les pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Ils soutiennent les leurs plus, le Bénin même et tout. Oui, le Camerounais, jaloux de son frère. Vous faites là, c'est parce que vous pensez qu'ils aiment trop Ngannou. Hein? C'est parce qu'il a, qui essaie, quand il avait perdu le combat, c'est pas tout le monde qui est sorti même insulter Ngannou. Que ya, toi aussi, c'est quoi ça? C'est quoi ça? S'il faisait un combat, il perdait encore, vous allez comprendre. Il perdait encore le combat qu'il a perdu l'autre jour. Là. Vous allez voir, il perd deux, trois. On dit, oh, Ngannou, oh, il a un baisse. Vous allez voir, tout le monde dit, on dit Ngannou, il dit, donc, laisse-moi celui-là. Donc, c'est comme ça qu'on est. Donc, il faut qu'on soit sincère. C'est ça. Oui? Oh, la famille, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et à sa pronto. Surtout, ne mettez pas les organes.